Et salut à tous, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour un grand jour, le jour, mince proche les en bas, pour le jour où nous allons tenter de remporter le badge d'argent, non c'est comment, c'est argent c'est ça, enfin après il y a un autre nom je crois pour les badges, mais la couleur c'est bien argent comme on dit hein, je crois, voilà ce sera silver en anglais du coup. Et on va tenter de gagner la quatrième série, de gagner contre la championne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas cette équipe. Enfin, si, c'est cette équipe, mais pas dans cet ordre. Je voulais mettre Adratak en dernier. Là, je l'ai mis en deuxième, je voulais mettre en dernier. Open level. Voilà, alors, du coup, Metalos bien en premier, Gardevoir en deuxième et Adratak en dernier. Voilà, donc c'est pas la première vidéo que je fais de la quatrième série, j'ai beaucoup de mal. Je n'ai fait, je sais plus combien je n'ai fait, j'en ai fait plusieurs, franchement, au moins 5. Et peut-être que, là, je sais pas, peut-être que je, si je réussis pas, là, je ferai si genre je perds au quatrième combat, je referai de mon côté hors vidéo jusqu'au quatrième combat et je reprendrai au quatrième combat. Enfin voilà, je ferai un petit collage de vidéos. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Je suis parvenu une seule fois à la championne sur 5-6 tentatives, hein, je sais pas. Donc voilà, je voulais pas vous mettre toutes les tentatives ratées. Hein, je veux quand même vous mettre une vidéo où je réussis. Donc c'est vrai que normalement, bon je spoil un peu, mais normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Bon, peut-être pas dans ce passage, parce que peut-être, comme je vous dis, j'aurais fait le collage de vidéos. Mais, par contre, si on perdait le premier combat, parce que là, le type feu, je le sens pas trop. Hein. Surchauffe, bon, d'accord, bon, c'est mort déjà pour Metalos. Aïe, aïe, aïe. Bon, attends, il est KO. Ouais, on est d'accord. Je me suis dit pendant un instant, est-ce que, peut-être. Bon. On va mettre Gardevoir. Après, est-ce que du coup, il a baissé beaucoup sa attaque spéciale? Est-ce que je peux en profiter pour monter la mienne? Ou est-ce qu'il va faire des attaques croches et écoute, je vais l'attaquer au moins une fois. Ah non, j'aurais peut-être pu tenter Plénitude. Il est plus rapide que moi, tu tues de moi. Un escargot plus rapide que moi. Non mais n'importe quoi. Quelle absurdité. Enfin bon, il m'a enlevé 38 PV quand même avec l'attaque spéciale de beaucoup de BC. Allez, on va tenter un Plénitude. Voilà. Et on mettra KO après parce que quand même, il va me refaire surchauffe, je pense. Oh non, il me fait éboulement. Mais pourquoi il l'a pas fait avant? Il m'a donné de l'espoir. Bon, là, on le met KO au moins. Bon, le combat commence pas terrible. Ouais, ça commence pas comme je l'espérais. Oh non. Quelle horreur. J'en ai déjà rencontré des culbutoqués, à chaque fois ils attaquent pas, ils font que riposte ou voient le miroir, donc la seule solution c'est de se monter à fond une stat. Moi ça va, j'ai de la chance, j'ai des attaques, au moins une fois par Pokémon j'ai une attaque qui n'est pas offensive, du coup je suis pas obligé d'attaquer et ça c'est plutôt utile parce que moi ça me fait gagner le duel et puis ça me fait ne pas l'attaquer et ça me fait pas prendre plein de dégâts dans la figure après. J'ai avec lui, c'est Plénitude, avec Dratax, c'est Abri. Bon, après, je fais Abri plusieurs fois de suite, donc ça rate à un certain moment, mais... Et avec Metalos, j'ai Iron Defense. Enfin, j'ai Mur de Fer. Du coup, là, je pense, normalement, je gagne 4-2, normalement. J'ai 1-1, 2-0 en skill, et 1-1 en body. Voilà. C'est exactement le même résultat à chaque fois, donc c'est vrai que je sais pas trop comment il calcule. Par exemple, le Mind... Je sais pas trop comment il calcule ça. Parce que là on a égalité alors que. Ouais, je sais pas. Enfin bon. Du coup contre Spectrum là ça devrait être. Bon même sans hausse de stats, je pense qu'on l'aurait mis KO. Mais là au moins on est sûr de mettre KO. Donc tant mieux. Au moins on n'a pas perdu au premier combat, je suis content. Et je crois que j'ai jamais perdu au premier combat, peut-être une fois. Mais je passais au moins tout le temps les deux premiers combats. Et après, c'est 3, 4, 5, c'était la catastrophe. 6ème, je suis rarement allé. Mais les 3ème, 4ème, 5ème combats, c'était là où je perdais le plus souvent. 2ème, je crois pas que j'ai... Ah, petit, peut-être 2ème. Non, 1er, je suis quasiment sûr de jamais avoir perdu. Le 2ème, j'ai peut-être dû perdre une fois. Et après, le reste, ouais, 3, 4, 5. Enfin bon. Cette fois, je sens que c'est mon heure.
Attendez 2 secondes, désolé, je vais faire une petite pause. Voilà, désolé de la petite pause, vous en faites pas, c'était pas de... De la triche ou je sais pas, je veux pas que vous imaginiez des choses. Du coup, alors, Solarock, très bien. Je dis très bien, des fois j'ai pas trop de réactions parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup les mêmes dresseurs. Par exemple, Solarock, j'ai déjà rencontré une fois, bon j'allais dire plusieurs fois, mais non, je l'ai rencontré qu'une seule fois dans cette 4ème série. Mais à mon avis, ils ont des dresseurs entre guillemets en réserve et ils les sortent un peu au hasard. Du coup, enfin voilà, il y a possibilité que ce soit les mêmes dresseurs qu'on revoit. Et lui, non, il a séisme. Mais c'est pas possible. Il peut pas avoir séisme. Comment tu veux qu'il ait séisme? Normalement, en plus, il a lévitation. Il a lévitation, il touche pas le sol. Et s'il touche pas le sol, je vois pas comment il peut faire séisme. Enfin bon, il nous a pas enlevé non plus. Enfin, il nous a enlevé presque la moitié, mais on l'a mis KO, c'est le plus important. On s'est augmenté notre attaque par ailleurs. Il est roche haut. Ah bah non, j'avais rencontré un Solarock, mais il n'était pas précédé après d'un Relicant, hein, il me semble. Bon, allez, on va tenter le point météore. Oui, il réussit, très bien. Je pense pas que ça va le mettre KO, parce que comme il est type O, contre le type O, le type acier est peu efficace. Ce qui est surprenant, c'est vrai. Je le savais pas, mais je me suis un petit peu renseigné. Oh non, ils ont tous séisme. Hein. C'est la team séisme. Est-ce qu'on tente Allez, on tente. Oui, on a bien fait de tenter. Mais cette attaque, c'est génial. Franchement, cette attaque m'a beaucoup aidé beaucoup de fois. C'est vraiment une bonne attaque. C'est très précis. Franchement, j'étais surpris de sa précision. Et du coup, tant mieux. Bon, Pront, on va pas attaquer en premier. Bon, après, normalement, on a Gardevoir et Gratak. Donc, contre le type combat, il devrait bien gérer. Donc, je pense que ce deuxième combat, je vais pas trop m'avancer, mais je pense que ça devrait être dans la poche. Normalement. Normalement, ça devrait être dans la poche. Bon, allez, on part sur direct. Un psycho, ça va le mettre KO direct, je pense. Alors, on passe au troisième combat. Je suis quand même content, hein, même si les deux premiers combats, normalement, ils passent toujours bien. Je suis quand même soulagé et content à chaque fois d'arriver au troisième. Enfin bon, 24ème combat. Oh là 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 là. Enfin bon. Oui, juste pour pas que vous vous étonniez, si on voit les points de combat, il n'y aura pas autant de points de combat que je devrais en avoir parce que sur les deux dernières séries, j'avais fait une sauvegarde avant la 4ème série. Du coup, je reprenais directement à la 4ème série, je refaisais pas tout avant. Je suis désolé, j'espère que vous prendrez pas mal, hein, mais j'arrêtais pas de perdre et c'est vrai que j'étais démoralisé, du coup je voulais pas refaire tout à chaque fois. Hein. Enfin bon, ok, Chapignon, d'accord. Bon, on va partir sur un psycho, hein, de toute façon. Ouais, psycho. Sky Uppercut. C'est Frappe Atlas, ça, non? Non. Ouais, je sais pas. Non, c'était... Strato Percute, alors c'est... Frappe Atlas, c'est... Je sais pas ce que c'est. En anglais, je vois pas... Earth Power, non. C'est pas Earth Power, je suis plus sûr. Bon, allez. Dodrio. On va partir sur un petit... petit griffacier. Ah, il nous fait pas trop mal, ça va. Allez, si on peut le mettre KO avec Metalos. Ah non, dommage. Non, bon bah je voulais tenter finalement le point météore, mais du coup j'ai appuyé sur Griffacier dans la précipitation. Ah non, c'est pas vrai. Mais il a 95 de précision. Bon là on va tenter le point météore. Il a 95 de précision, il devrait réussir au moins une fois sur deux. Hein. Ah, on a résisté, dis donc. Allez, point météore. Non, oh non. Oh non, j'ai raté 3 attaques. Oh non, je suis dégoûté. Bon, là, je pense pas gagner. 1-1. 1-1 quand même. Bon, 3-1. 5-1. Ah, je suis triste. Ah. Tard, on a pas eu de bol sur ce coup. Bon, après, Gardevoir, ça devrait aller normalement. Il est type vol, donc tonnerre, ça devrait aller. Je sais pas. Early Bird, d'accord. Je sais pas. On va voir. Dribbeck. Bah, ça faisait pas beaucoup de dégâts contre Metalos, mais contre. Oh, ça m'a mis tout ça. Oh, purée, dis donc. Je pensais pas que ça me ferait autant de dégâts.
Ah bah ça a mis KO du premier coup, donc ça va. Ça compense. C'était le deuxième? Ouais, c'est ça. Oui, il y avait Chépignon, c'est vrai. Électrode. Psycho. Ouais, mais il attaque en premier, de toute façon. Alors là, par contre, contre... enfin, avec Dratak, je sais pas trop comment on va faire la chose. Je sais pas comment on va faire. On lui baisse son attaque, c'est déjà une bonne chose. Voilà, enfin, non, quoique s'il attaque en physique. Bon, allez, on va partir sur. Ah mince, ouais, j'aurais pu faire. Et je me demandais, et si on fait tous les trois abri, si on fait tous abri. Enfin, si genre je fais abri après, que lui fait pas abri et qu'il fait abri après. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, on attaque. Oh, on attaque et on fait abri après, comme ça on se sera pris aucun dégât. Et on lui en aura mis. Donc ça peut être pas mal. Et là, là je fais abri. Voilà, là normalement on devrait gagner le. Je sais pas, on va voir. J'en sais rien. Voilà, tonnerre et on il rate. Bon allez, on va voir, on va espérer. Allez, s'il te plaît, Dratak, mind. 2-0 déjà, ça c'est bien. 3-1 et body. 5 rien. Allez, trois premiers combats faits. Ouais, je suis content. Je suis content. Quatrième combat. Aïe. Allez, jeune dame. Au revoir. Laisse les hommes. Laisse les hommes tranquilles. Bon, est-ce que vous avez déjà gagné le symbole argent du dojo de combat? Moi, j'ai jamais gagné. Que ce soit en console ou même sur l'ordi, sur l'émulateur, j'ai jamais gagné. Du coup, dites-moi, vous, si vous avez déjà réussi et. Et dites-moi si vous pensez que c'est un des plus durs ou le plus dur. Moi je pense qu'un des plus durs quand même ça reste la pyramide. Parce qu'en dehors des dresseurs on peut tomber sur des Pokémon sauvages. Et ça c'est assez chiant. C'est vrai, c'est un peu relou. Voilà. Bon voilà, c'est dit au moins. Donc voilà, je pense que c'est un des plus durs quand même. La pyramide. Enfin ça dépend des gens aussi hein, je pense. Ça peut dépendre des gens. Bon, chacun a peut-être ses préférences et le plus facile en tout cas pour le symbole d'argent, je pense que ça reste le reptile de combat. Après l'or, je suis jamais allé jusqu'à l'or, mais pour le symbole d'argent, c'était franchement assez facile. Hein. Il y avait fallait faire deux fois le reptile de combat et on était déjà au symbole d'argent. Et généralement, il n'y avait pas trop de soucis. Enfin, moi, je sais que j'ai tout le temps réussi à l'avoir. Donc bon, tant mieux. Hein. Ouais, tant mieux. On va partir sur du point météore. Ah bien, tout à l'heure ça a raté trois fois, mais là il réussit tout. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Ouais, du coup il devient type acier. Il change les objets. Je vais me faire un Iron Défense. Juste un tout petit. Choice Band. Je sais pas ce que ça fait. Je sais plus ce que ça fait. Ces objets que j'ai plus trop en tête. Ballombre. Bon ça va, il est de type acier donc il va pas faire énormément de dégâts. Et là on va partir sur. Ah bon bah écoutez, on va refaire Iron Défense. Oh, mais non, mais je vais pouvoir faire que ça maintenant. Non, je vais pouvoir faire que ça. Oh non. Bon après c'est le deuxième Pokémon, là normalement je devrais gagner la décision par arbitrage. Mind, ah 2-0 pour lui, 1-3, et Body 3-3. Bon écoutez, je préfère que Metalos, voilà, parce que ça aurait été, de toute façon j'aurais perdu après au moins, j'en suis débarrassé, entre guillemets, de Metalos, et parce que peut-être que comme j'aurais pu faire que Iron Defense, eux en face ils auraient pu augmenter leur stat, ils auraient pu en profiter. Donc voilà, c'est pas le top. Girafarig. Alors j'étais tombé contre un Girafarig. J'ai pas perdu contre. Je me rappelle contre ses dresseurs, mais j'avais fait la bêtise de faire Ballombre. Et il faut surtout pas faire Ballombre parce qu'il est aussi de type normal. Et du coup, ça fait rien du tout. Et ça, j'avais pu penser. Pour moi, il était juste de type psy. Et en fait, il s'avère qu'il est également de type normal. Du coup, voilà, je refais pas la même erreur. Et en fait, non, s'il y avait Gardevoir, j'avais perdu. Et après. Avec Dratak, j'avais réussi à gagner avec ma chouille. Enfin voilà, j'avais gagné le combat quand même. Mais avec Gardevoir, je m'étais fait une petite peur. Voilà, je m'étais fait une petite peur, c'est vrai. Allez, et là normalement, on va pouvoir le battre avec Gardevoir. Putain, ça se passe bien là.
C'était le quatrième. On en est au quatrième ou au cinquième, je sais plus. Allez là, normalement, il réussit son attaque. Il est pas apeuré par Machouille. De toute façon, on peut pas être apeuré. Ah là, on est au, si on est au cinquième combat, on est soit au cinquième, soit au sixième, c'est sûr. Là, c'est pas tout le temps que je vais jusqu'à là, donc ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, je suis content. Faut aller, on y croit, les gars. Ou les filles, hein, si jamais il y a des filles qui regardent, on y croit. On y croit. Cinquième. Ah, je suis frustré, je pensais que c'était peut-être le sixième, mais non. C'est pas grave. Allez, Xander. Ah, je sens qu'il va y avoir des Pokémon psy, des trucs comme ça, là. J'ai mes Pokémon on rental, je sais pas ce que ça veut dire. Alors là, on rental, je sais pas ce que tu racontes. Alors, ok, d'accord, type dragon. D'accord. Bon, on va partir sur... je suis sûr qu'il va faire abri. Ah non, bon bah je sais pas, normalement Draco il fait souvent abri, donc... J'ai pensé anticiper, mais finalement non. Ça va, on devrait résister. Ouais. On va partir sur du point météore quand même. Ah, il a réussi, très bien. Bon, au moins on aura fait Iron Defense. Hein. Ça n'aura pas été totalement inutile. Hein. Bien. Danse Draco. D'accord. Bon, ça devrait aller. Hein. Il s'est augmenté notre attaque, mais bon, c'est augmenté notre défense. Danse Draco aussi. Ouais, ça c'est bien. Au moins il nous attaque pas, on va pas se plaindre. Si le. Souvent c'est. Pour moi. Ce que j'ai pu remarquer à force de faire ça, que limite l'issue du combat, il se décide au premier Pokémon. Soit tu perds le premier contre le premier Pokémon et tu perds tout le combat, soit tu réussis le premier Pokémon et tu réussis tout le combat. Franchement, c'est un truc que j'ai pu remarquer voilà, c'est pas faux je trouve. Ah non, il va être relou lui par contre. Ouais, ça va, il enlève pas. Ah oui, coup critique c'était, d'accord. par contre, est-ce qu'on partira plus sur de l'acier? Parce que je suis parti sur Psycho, mais on aurait pu partir sur... Oh, bah non, on va partir sur du Psycho. Je savais pas que ça faisait autant de dégâts. Ah oui, purée. Il fait pas beaucoup de dégâts en face. Bon, allez. Il n'y a plus qu'un Pokémon et on fait le sixième combat et on est bientôt... Putain, ah, j'ai vraiment envie de réussir. Ce serait tellement bien. J'ai tellement essayé et échoué que ce serait tellement bien si je réussissais. Ouais, les psychos. Au moins, on est plus rapide, on lui fait quelques dégâts, ça c'est déjà bien parce que le reste, il pourrait un petit peu peut-être galérer contre Camrupt. Donc là, ça devrait aller. Bon, il nous met KO, mais avec Gardevoir, on va lui faire psycho, ça devrait le mettre KO. Allez, je suis content. Je dis ça pour me motiver, faut que je reste concentré. Allez, Gardevoir, viens là. Là, normalement, avec Psycho... Si on fait pas de bêtises, on va pas à la va-vite. Je vais pas faire une attaque par erreur. Donc, là, surtout avec ces trucs, peut-être que si j'appuie trop vite... Allez, là, je suis sur Psycho, c'est bon, je fais attaque Psycho. Normalement, ça devrait le mettre KO. Hein. Si Metallo, ça a réussi à faire Psycho, a réussi à faire autant de dégâts avec Psycho, Gardevoir, il devrait le mettre KO. On y est arrivé, les gars. Allez, on y est presque. Sixième combat, et puis après, la championne. Allez, faut vraiment qu'on réussisse ce sixième combat. Là, je serais vraiment dégoûté de perdre au sixième combat. De toute façon, ma théorie, on va voir si elle se vérifie. Ça se joue beaucoup au premier Pokémon. Surtout dans ce type de combat où au bout de 3 tours, voilà, t'as l'arbitre qui vient. Allez, c'est parti. C'est limite, il est plus important que le combat contre la championne. Ce qui nous permet d'accéder à la championne. Et on commence contre un Tentacruel. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il est de type poison, nous on est de type psy, et puis le poison contre l'acier ça fait rien, donc ah, il peut nous faire des attaques haut, c'est vrai. Mais nous, voilà, barrière, ok, il augmente la défense, enfin il augmente la défense de son équipe. Sa défense ou la de son équipe, non je sais pas. Non, sa défense j'ai l'impression. Ok, allez refais barrière, refais ce que tu veux. Ah non, ça par contre c'est pas top. C'est pas top. Bah, les Metalos, bon, il prendra pas non plus énormément de dégâts à cause de la confusion, mais je veux mettre KO Tentacruel. Ah, dommage. Il va pas prendre énormément de dégâts. Ouais, 22, ça va. Et barrière encore. Bon, après, normalement, je pense qu'il sera éliminé par décision de l'arbitre, mais j'ai quand même envie de mettre KO moi-même au cas où. Ah, dommage. Aïe. Allez, faut que je gagne ce combat. Faut que je gagne ce duel. Je vous dis, c'est déterminant. 2-0. 2-2 et body 4-2, c'est bon.
Allez, déjà un. Et puis au moins, on a quand même gagné. Et la confusion, elle va peut-être s'arrêter. Donc au pire, on s'est pris la confusion, mais c'est pas trop grave. Gold Duck. Intéressant. Bon, on va continuer de toute façon sur du psycho. Ah, hydrocanon. Aïe, aïe, aïe. Nos canons résistent. Ah, au moins. Allez, s'il te plaît, attaque, que je lui fasse des dégâts et que je puisse le mettre KO avec tonnerre après. Oui, il attaque. Super. Super. Allez, je sais pas si ça va lui faire énormément de dégâts, mais c'est pas mal. Et en plus, on lui baisse la défense spéciale. Ça, c'est cool. Parce qu'avec tonnerre, je pourrais peut-être le mettre KO. Ok, bon, bah vas-y, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, on y croit, les gars. On y croit. Bon, allez, au pire, si tu te fais battre par la confusion. Oh, dommage, on aurait pu l'attaquer. allez, on va faire Iron Défense. Hein. Imaginons. Je sais pas si je suis plus rapide que Aquaquack. On verra. Il fait quoi? Il. Bay Citrus ou Bay. Shell Bell? Ok. Bon, on garde de voir normalement. Avec tonnerre, on devrait le mettre KO. Si on attaque en premier, bien sûr. Hein. Ce serait cool qu'on attaque en premier parce que si on se prend une attaque forte par lui, s'il attaque en premier. Ouais, ok, on attaque en premier. Est-ce qu'on le met KO? Est-ce qu'on le met KO? Ouais, je pense qu'on le met KO. Yes! Allez, plus qu'un. Plus qu'un, on en a encore deux. Allez, on y croit. Moi, j'y crois. Désolé, je dis beaucoup ça, mais je me motive. J'essaie vraiment de me motiver pour pas perdre espoir. Allez, psycho. Ok, il nous brûle, c'est pas trop grave. Je préfère qu'il nous brûle plutôt qu'il nous fasse des lance-flammes. Nous, on l'affaiblit avec nos psychos comme ça. Au pire, il nous met KO. On a Dratak derrière. Allez, en plus, on lui fait pas mal mal. Si on peut attaquer un deuxième psycho. Putain, allez, si on y arrive. Oh, on va peut-être y arriver. Si on résiste à cette attaque, on joue contre la championne. Allez, là, c'est parti. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, allez. Plus qu'un combat. On en a fait 27 combats, putain. Oh là là. Et là, normalement, je crois. Hein. Peut-être que je me suis fait une fausse joie pour rien. Mais normalement, ouais. Votre level est incroyable. Nous aimerions que vous rencontriez notre championne d'arène, Tycoon. Non, non, elle s'appelle Tycoon. Allez, vous êtes prêts? Il nous demande. Ouais, je suis prêt. Allez, on peut le faire. On peut le faire, les gars. On peut le faire. C'est parti. Greta, oui, Tycoon, c'est le dojo, je pense. Hey, Hody. Attends, mais tu es le challenger? Ouais, elle nous dit qu'on a l'air plutôt faible. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas comment le dire, mais tu as l'air tout petite bluntly pour y aller. Non, pour y aller sans vouloir te vexer, tu as l'air plutôt faible. Est-ce que tu es sûr que tu es à ma hauteur? Allez, on y croit, les gars. On peut le faire. Allez, c'est parti. Scarino en premier, normalement. Hein. Normalement, s'il a pas changé. Ouais, c'est ça. Scarino. Ok. Ok, ok, je sais pas qui est le plus rapide, je pense que c'est lui. Les psychos. Mega Horn, normalement, ça devrait pas nous mettre. Ça va, je pense. Ah, il nous met moins de la moitié. Il nous met moins de la moitié, c'est déjà bien. Allez, nous on lui met plus de la moitié. Allez, ça serait cool qu'on résiste. Ah, il rate, super. Ah, super. Allez, déjà, Scarino de KO. Allez, on y croit, les gars, on y croit. Et là, il nous met normalement Noctali, c'est bien ça. Noctali, Noctali. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait point météore? Ouais, on va faire point météore. Ah, il attaque en premier. Ok, il fait onde folie. Et il est plus rapide du coup. Ce serait bien de lui faire quand même quelques dégâts. Ouais, ce serait bien. Allez, Métallos, réussit. Oui, il réussit. Et il réussit aussi point météore. Ah, mais t'es génial, Métallos. Tu es génial. Ok, il lui fait. Ouais, il résiste bien quand même en face. Hein. Il résiste plutôt bien. Et là, on va tenter un griffacier. On va tenter un griffacier. Ouais, je pense pas qu'on va gagner par décision de l'arbitre, mais. Ah, peut-être si on réussit à attaquer, je sais pas. Ah, génial. Putain, ah, ça serait tellement bien qu'on gagne par décision de l'arbitre. Il resterait que Munja. Ouais, par contre, il résiste vraiment bien, Noctali, c'est incroyable. Ouais, ah non, il reste encore un tour. Ah, je croyais qu'on avait fait 3 tours, désolé, j'avais déjà fini.
Ok, il est plus dans sa confusion. Sinon, j'aurais peut-être tenté point météore. Bon, c'est pas grave. Voilà, au moins, on l'a faibli encore plus. Ok. Bon, allez, on va voir la décision de l'arbitre. Hein. On va voir ce qu'il en pense. Je pense que Noctali devrait gagner, à mon avis. Devrait gagner. Allez, Mind. 2-0. C'est bon, normalement, dans tous les cas, Noctali est KO. Oh yes, c'est bon, on a gagné, normalement. Normalement, c'est bon, purée. Allez, ouais, c'est bon, on est... C'est pas grave, Metalos. Metalos, t'as été géant, t'as été génial. Et Metalos, t'as été génial. Et là, Munja... Oh, purée, j'y crois pas, on y arrive. On y arrive. Oh, purée. Et du coup, oh, j'ai garde mystique aussi. je lui ai calqué garde mystique. Et bah ben, normalement ça passe. Et oui, c'est bon. Attendez, on va le voir KO. Et c'est bon les gars. On l'a le symbole d'argent. On l'a. Ah oh, purée, on y est arrivé. Ah, oh, je suis tellement content. J'ai tellement fait cette série que je suis tellement content de l'avoir réussi. Oh purée. Attends une seconde, tu es fort après tout. Ah, je t'aime bien. Voyons voir ton frontière passe. Le symbole, ça va être téméraire. En gros, good, c'est la témérité. Ça va être amusant la prochaine fois. Je t'attends. Et ouais, il y a le symbole d'or qui nous attend. Ah, purée. Et du coup, il nous donne combien de points de combat? Ah oui, 12 points de combat quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Oh là là, je suis content. Ah ouais, moi, je veux enregistrer ce combat. Je vais l'enregistrer. On aura eu besoin que deux Pokémon en plus. Ouais, enregistre-le. Ok, très bien. Fais-le voir. Ah, il y est. C'est la première fois que je le gagne. Je suis tellement content. Ça prouve que j'ai progressé depuis que j'étais petit et que je jouais dans mon coin avec ma console. Ah là là, je suis content. Bon, on va partir ensuite. Alors déjà, je vais pas partir sur des bâtiments que j'avais fait déjà un peu sur ma chaîne. Bon, même si je vais les faire, mais j'ai pas envie de les faire tout de suite. Donc ce sera pas pyramide, ce sera pas usine, et ce sera pas reptile. Donc il reste palace, tour et dôme. Non, c'était palace, j'avais commencé à le faire, mais j'avais pas diffusé sur ma chaîne. Du coup, on va partir sur dôme, je pense. Parce que... Ouais, je pense qu'on va partir sur dôme. Parce que tour... voilà, bon, ça va ressembler pas mal à Dojo de combat, donc... voilà, on va partir sur dôme. Ouais, on va partir sur dôme. Donc on va y aller ensemble. Ah, je suis tellement content. Yes! Ah, ça fait plaisir. Allez, on sauvegarde. Oui, on sauvegarde. Ouf, ah, je suis content. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est... Voilà, je vous remercie. Voilà, je suis vraiment content. Et je vais essayer de donner mon maximum pour les autres combats. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à tous, bye.